Salut, aujourd'hui je vais vous présenter un buggy 1/8, le Timasso RC8 B4. En avant-première, il y en a peu qui roulent actuellement avec ce modèle Timasso Cetid RC8 B4. On va regarder en détail ce châssis. Il est tout simplement superbe. Carrosserie réalisée à l'aéro par Stéphane. Moteur Reds, on va revenir dessus en détail. On va lever la carreau. Alors il est optionné. Je vais vous donner des précisions. Tous les carbones des triangles inférieurs, supérieurs, à l'arrière. La protection de réservoir. La protection des éclaboussures. Ici, le couvercle de la lipo. Le couvercle du récepteur. Toutes ces pièces carbone sont des options montées sur ce modèle RC8 B4 Timasso Cetid. Alors on retrouve tous les alus bleus, magnifique. La visserie, ça a été rajouté. Les cales A, B, C, D en alu bleu d'origine. Ici, la vis de contrainte du ressort en alu. Les écrous. Les pivots. Le palonnier de direction. Voilà, pour la présentation générale, on va rentrer dans le détail sur le moteur dans un premier temps. Alors ce Reds R5 TTE, c'est un modèle 5 transferts longue course bougie turbo. Il est roulement arrière céramique d'origine. Carbu HCX, ici c'est la vis, l'arrivée d'essence sur le côté. On retrouve ce carburateur de Reds sur le R5R également. Là, il a été rodé cet après-midi. On a fait quelques essais. Et on sent qu'il en veut. Il va marcher très très fort ce moteur. Alors la ligne qui est recommandée, c'est la Reds 2104. Ici, Steph, il a privilégié. Il avait une Nova aussi. Voilà, la Super Strong en 2096. C'est compatible avec un coude court parabolique. Et ça fonctionne très bien avec le Reds R5 Team Edition, je le précise. C'est un Team Edition. Il est un petit peu travaillé à l'intérieur par les pros. Voilà. Au niveau de l'électronique, on a deux beaux servos Savox. Alors on retrouve ici le servo qui est à la mode, le 2292. C'est un servo digital brushless qui fait 31 kg en 007. Et au niveau du gaz frein, on a un 2291. C'est un 18 kg en 005. Très très rapide. Voilà, c'est le choix de Stéphane sur sa configuration servo direction et servo gaz frein. Ici, il a mis un interrupteur électronique. Voilà, alors ce châssis, voilà, il a roulé un petit peu, il a fait quelques runs dans l'après-midi. Il est absolument neuf. Alors on en voit très très peu, hein, des RC8 B4. C'est le premier qui rentre au club.
Et je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup pour l'instant au niveau du réseau de distribution. Voilà. Celui-là, il est arrivé jusque chez nous. Et on ne se lasse pas de le regarder. Hein. On a quand même une pièce extrêmement bien finie. Les alus, waouh, en bleu, ça, c'est classique, typique du Team Associated. Voilà, il a mis du bleu aussi sur sa carrosserie. Belle carrosserie peinte à l'aéro. Sur la partie arrière, on voit un gros débattement. Voilà. Prochainement, les essais sur circuit. À bientôt. Ciao.